duel de promu entre le Red Star 19e et Béziers 15e. C'est surtout un match de bas de tableau entre deux équipes qui ont bien besoin de points. Le Red Star n'a remporté qu'une seule de ses 8 dernières parties, alors que Béziers est un petit peu plus régulier. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites sur les 6 dernières rencontres. C'est plutôt intéressant pour les visiteurs du soir. Béziers qui est la première équipe à passer à l'attaque avec cette reprise de la tête et la parade de Nicolas Douchez. Le gardien du Red Star déjà sollicité. Des Audoniens qui ont du mal à aller de l'avant et à se procurer des occasions. C'est Béziers qui a les meilleures situations. En voici une de plus. Et une qui va au bout pour le 1-0 en faveur des Biterrois. C'est signé à Aboubakary Kanté dès la 10e minute de match. Deuxième but cette saison pour Kanté. Les deux équipes se sont affrontées la saison dernière à l'échelon inférieur. Béziers s'était imposé déjà sur ce score de 1-0 sur le terrain du Red Star. Béziers avait même gagné les deux matchs puisque à Béziers, les Biterrois s'étaient imposés sur le même score de 1-0 contre l'équipe francilienne. Le Red Star qui a du temps pour revenir avec cette frappe intéressante mais trop sur Yann Maria. Le gardien de but de Béziers parvient à s'interposer. Coup franc maintenant pour Béziers, le ballon relâché directement sur Amir Nouri. Nicolas Douchez n'a pas réussi à mettre la balle sur un côté. Nouri surgit, 42e minute, 2-0. Pour Béziers et un deuxième but cette saison pour Nouri. Situation très compliquée pour le Red Star et pour son nouvel entraîneur Farouk Adibedjic. Il reste toute la seconde période pour corriger le tir. Et les Audoniens vont de l'avant, notamment sur cette action avec un ballon capté par Yann Maria. Bonne tentative de Jordan Fauché. Mais ce n'est pas suffisant. L'équipe la plus en confiance est clairement celle de Béziers, avec un nouveau ballon récupéré par Antoine Rabillard. C'est bien donné vers Amir Nouri. Le doublé pour Nouri. 75e minute, 3-0 pour Béziers. Ça en est trop pour le Red Star qui cède encore une fois, qui encaisse 3 buts. Béziers a bien exploité les opportunités qui s'offraient. Et encore une chance peut-être de marquer un but supplémentaire pour les Biterrois avec ce centre en retrait. Nicolas Douchez sauve face à ce tir cadré de Steve Benard. La meilleure équipe et la plus efficace s'est imposée. Malgré ce dernier centre, il n'y aura pas de but du Red Star dans cette partie. Une chance énorme sur la barre transversale pour Moussa Sao. Béziers s'impose 3-0 contre le Red Star.